Bianca, ti dirò di Santa. Le bleu devra la fille. Les vacances ne vont pas changer, Bart. Toujours aussi charmeur. Parce que si t'arrives avant. Oui, mais non, c'est vous qui êtes en avance, hein. Bon, allez, on y va. Bourdouf, patatrac. Bourdouf, bip, patatrac. Bourdouf, bip, patatrac. Bourdouf, patatrac. Bip, patatrac. Allez, entre temps, qu'est-ce qui se passe ici? Cette machine tombe en ruine, entendu. Écoute, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut appeler la délégué. Tu sais ce que tu risques, toi, avec une machine comme celle-ci? Une machine comme ça? Ce que je dis, c'est pas bon. Tu es très hâte. Bon, Jeannette! Jeannette! Est-ce qu'elle est encore dans la machine à café ou quoi? Ah non, elle est en panne, elle aussi. Jeannette? Non, la machine à café. Bart, tu as encore pour le papier de toilette? Je l'ai dit la semaine dernière, il est dans l'armoire, de l'autre côté. Non, ça je l'ai trouvé. Ah, excusez-moi. Non, c'est la machine, elle est encore en panne. Pourtant, j'ai dit avant les vacances hein, qu'il fallait la regarder, l'entretenir, ils n'ont encore rien fait. Hein. Ah, ouais, effectivement, je le constate également. Bon, c'est pas à défaut d'en avoir parlé à la direction, mais avait promis de faire l'entretien des machines pendant les vacances. Apparemment, comme d'habitude, ça n'a pas été fait. Moi, j'ai appelé Bernard pour un déballage express et ensuite j'irai voir la direction. Bernard! Bernard! Ah. Oh, ça va? Oui, moi, mais alors la machine, hein? Moi. L'homme de la situation est là. Oui, ben la situation, elle est ici. Allez, laissez passer. Tu vas pas réparer la machine avec du papier collant, quand même? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, c'est la crise. Bah, la crise, ça veut dire que ça a duré que quelques mois. Ça fait plus d'un an que ça dure maintenant. Pourtant, on en a fait des efforts. Ouais. On est venu travailler le week-end, on a renoncé à notre prime de fin d'année. Ouais. Tout ça, pourquoi? Du tape sur une machine. Ouais. Voyons, les enfants, cette crise, elle va pas se terminer tout de suite, hein. Bah, en tout cas, pas comme vous le pensez. Hein. Ouvrez les yeux, quoi. Quoi? Bah, Jeannette, qu'est-ce qu'il raconte? Ça va aller? En tout cas, une chose est sûre, on va en avoir le cœur net. Le travail est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Chers camarades, chers délégués, prévenez la direction que la délégation syndicale use son droit d'information et de consultation afin d'avoir une vue de la situation complète à l'heure actuelle. Ben, si tu veux mon avis, ça sent le roussi. Mais Bernard, pourquoi tu prends pas une pièce neuve, la TX2448 Bourdouf Patatrac? Ils vont préparer proprement. Le stock est vide. C'est du jamais vu. Hein. Bon, enfin, en attendant, nous voilà au chômage technique. C'est dans ces moments-là qu'on regretterait presque d'avoir arrêté de fumer. Rester sans rien faire, c'est pas mon affaire. Ouais, c'est pas joli joli, hein. Mais ça va tenir quelques jours. Bon, allez. On va aller réparer la machine à café maintenant. Tu crois? Avec du tech? Bah, qui peut le plus, peut le moins. Ouais, d'après toi, quel le plus que le moins? Madame Le Dur, quel plaisir de vous voir. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Vous avez passé de bonnes vacances. C'est quoi votre rapport? Écoutez, j'ai préparé le stock de t-shirts à l'effigie de la marque, comme vous m'avez demandé. Ils sont beaux, hein? Hein, qui sont beaux? Hein? Bien. Les chiffres? La situation s'est nettement améliorée. Comme vous le savez, nos ouvriers ont fait de gros efforts. Ils travaillent 7 jours sur 7, sauf le dimanche et quand ils sont malades. Vous les connaissez. Ils ont eu du mal avec la semaine des 38 heures. Et on a eu difficile à mettre en place la politique anti-tabac.
Mais bon, ça a réussi. Et donc, plus de pause cigarette. Alors, la suppression des temps de pause a aussi permis d'économiser sur la machine à café, hein, vous en doutez. Oh, d'ailleurs, j'ai décidé de la mettre en panne. Hein. Oh, je me suis dit, pas de kawa, pas de blabla. Hein. Vous savez, comme dans le film, pas de blabla, pas de chocolat. Ah bon, bien, évidemment, ça occasionne certains ouvriers qui râlent, mais bon, s'en fiche, hein. Enfin, bon, toutes ces mesures rigoureuses ont permis des gains de productivité très nets. Combien ? 12%. Et où en sont les stocks ? Ben, parlons-en des stocks, hein. En ce qui concerne les matières premières, on a à peine de quoi honorer nos commandes. Non, malgré toute la considération que j'ai pour vous, votre gestion à flux tendu n'est pas tout à fait, n'est pas très... C'est, enfin, elle part, c'est une très bonne idée. Un petit café? En ce qui concerne l'entretien, on n'a plus suffisamment de consommables pour assurer l'entretien minimum. Vous savez, Bernard, l'homme, le chef d'atelier, eh bien, il répare les systèmes hydrauliques avec du scotch. Et quand je dis scotch, c'est pas seulement le papier collant, c'est aussi le whisky, vous connaissez de la règle. Non, la déléguée syndicale menace de faire intervenir l'inspection du travail. Non, elle veut faire arrêter la chaîne de production pour la sécurité des ouvriers. Enfin bon, non, l'arrêt de la production n'est pas emmené. Ne vous inquiétez pas, ce n'est plus un problème. Comment ça, c'est plus un problème? Enfin, vous vous imaginez, les petites capsules de bière sans leur petit opercule étanche. Assez. Avant demain midi, vous annoncerez la fermeture du site. La fermeture du site, ça veut dire l'arrêt de la production. L'arrêt de la production. L'arrêt de la production. Vous êtes ridicule. Nous délocalisons. En esclavie. Veillez à ce que les machines soient emportées. Bien, madame. Bien, madame. Ah, à votre service, madame. En ce qui concerne la prime, on est bien d'accord? Comme on a dit, disposez maintenant. Bien, madame. Voilà. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu prendre un t-shirt commémoratif, gracieusement mis à votre disposition. Au nom du conseil d'administration et des actionnaires, je tenais à vous remercier pour tous les efforts consentis lors de l'année écoulée. Vous avez tout donné, vous avez relevé tous les défis. Je suis fier de vous, de nous, de moi, que chacun s'applaudisse, m'applaudisse. Malheureusement, cela n'a pas suffi. Comment ça n'a pas suffi? C'est très simple, et je vais vous l'expliquer. Les efforts n'étaient pas suffisants. Les efforts pas suffisants, alors que votre bagnole est passée d'une berline à 4-4? Et tous les efforts qu'on a fait. Tais-toi, la déléguée, tais-toi. Et d'ailleurs, je peux dire que tu n'as pas toujours défendu les intérêts des autres, aussi bien que tes propres intérêts. Mais c'est pas vrai, c'est scandaleux ce qu'il raconte. C'est pas vrai, je vous assure. Tu vas te taire, j'ai au moins 10 témoins. 10 témoins qui peuvent en testiculonner. 10 témoins. Bon, ce n'est pas à toi de parler, hein. D'ailleurs, si cette entreprise ne fonctionne pas, c'est bien à cause de branleurs de mouches comme toi. Si cette entreprise ne fonctionne pas, c'est à cause d'un bouffon comme toi et grâce à nous qu'elle fonctionnait. Oh, ben voilà, les insultes. Très positif, les insultes. Absolument. Ben, tout simplement. Bon, alors où est-ce que j'en étais? Ah oui, c'est bizarre. Donc, voilà, je vous avais mis en garde. Hein, les actionnaires ont décidé de fermer le site. Hein? Mais on est là. Et cette décision est irrévocable avec effet immédiat.
une maison. Comment on va faire? Et comment je paye les études de ma petite? On va devoir retourner chez mes parents. Irrévocable avec effet immédiat. Moi, chômeur? Mais que va dire ma femme? Déjà qu'elle me prend pour un fainéant. Je n'oserai jamais dire que j'ai perdu mon boulot. Et qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? C'est toujours les mêmes qui trinquent, avec tous les profits que les actionnaires ont fait. Elle n'a jamais cru que j'étais capable de tenir une place. Mais pourtant, c'est quand même pas de ma faute! Elle a toujours dit que elle partirait si je ne travaillais plus. Ça fait 40 ans que je fais le même boulot. Et à mon âge, qui voudrait encore de moi? Pourtant, on en a fait des efforts. On a renoncé à la prime de fin d'année. On a fait des heures supplémentaires non payées. Et tout ça, pour rien. Mais je l'ai cramé sa 4-4, moi. Je l'ai cramé la 4-4. Ah, mais c'est pas bien. Alors, c'est au cours derrière les coups. On veut prendre la 4-4. Plus d'ici, on passe à la l'usine pour éviter la délocalisation. Il faut occuper l'usine pour éviter la délocalisation. Occuper l'usine, mais enfin, on va tous terminer en prison, toi. Non, non, c'est une bonne idée. Si les machines restent là, ils ne peuvent rien faire. Moi, je suis d'accord, la machine à café, Romain. Bon, puisque c'est comme ça, les machines elles restent et ce sont les patrons qui dégagent. Oui. Ouais. Et alors, on prend la société en coopérative. Ouais. Une reprise? Mais Jeannette, une reprise, tu sais comment ça marche? Non, pas vraiment, mais j'en ai entendu parler en formation syndicale et je vais aller me renseigner. Mais avec quel sous on va faire ça? Avec quel sous? Mais avec les sous que je vais aller négocier avec cette bande de rapaces qui nous a volés pendant des années. C'est une bonne idée, c'est... Donc à partir de ce moment-là, c'était pas possible de faire prise. Par contre, j'ai quand même une bonne nouvelle. On va tous rester ensemble. On va tous aller en cellule. En cellule. Bienvenue en cellule de reconversion. Mais qu'est-ce qu'une cellule de reconversion? À la suite d'une restructuration, d'une fermeture ou d'une faillite, et à la demande des organisations syndicales,
le forum met en place une cellule de reconversion. C'est un dispositif basé sur une dynamique collective. Une dynamique collective. C'est un dispositif wallon, envié par d'autres régions et pays européens, qui permet d'aborder et de proposer un accompagnement socio-professionnel. Ce dispositif, ouvert pour une période d'un an, met aussi à disposition tout du matériel. Jeannette, votre déléguée dans l'entreprise, travaille maintenant au sein des cellules de reconversion et sera votre accompagnatrice sociale. Ensemble, le Forem et les syndicats, nous allons vous accompagner dans votre reconversion. Nous allons donc, pour une période d'un an, comme je disais, vous équiper au mieux, vous soutenir, vous conseiller, vous accorder tout le soutien dont vous avez besoin. Ah oui, j'ai oublié. Vous allez devoir signer un F70 bis, puisque chaque fin de mois, vous recevrez un C98. En fin de cellule, vous aurez votre C91. Encore petite précision. Quand vous recevrez votre C4, n'oubliez pas d'aller chercher un A231 en forêt. Oui, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Le monde, ça va nous mener tout ça. Tu rigoles, mon ami, ça va nous mener au travail. Hein. Vous avez quand même de la chance en Wallonie d'avoir un truc comme ça qui s'occupe des pauvres travailleurs comme nous. Hein. En Flandre, ça n'existe pas. Ouais, j'ai toujours fait la même chose, tu te rends compte? Et en plus, on m'oblige à venir ici, en cellule. Oh, en cellule. Ça va, les gars? Oh, c'est pas trop clair. Écoute, t'as tout le temps pour des questions et on a l'air de les écouter. Ouais, mais j'avais, j'ai pas bien compris ton nouveau rôle. Bien. Dis, Bianca, tu rêvais de quoi, patron, quand t'étais gosse? Quoi? D'être prof, peut-être. Bon, prof de quoi? Prof d'espagnol, c'est ma langue maternelle. Ah ben, je disais bien que t'étais pas suédoise, si. Papa, il m'a toujours chanté des belles chansons. Écoute, écoute, c'est ma préférée. Deja que salga la luna. Deja que se meta el sol. Para decirle cositas muy bonitas, corazón. Elle est magique, cette langue, Bart. Oh, c'est magnifique. C'est si doux, c'est si joli. Je préfère. On ira tous, tous, tous. Attendez, Molinos. Tous, tous, tous. Attendez, Molinos. Quand j'étais petit, j'aimais faire de la construction avec des blocs et tout ça. Ah, tu vas peut-être le voir jamais. Bon, alors, c'est ta contribution plus ou moins mon rôle maintenant. Ah, Jeannette, plus ou moins, tu sais, plus ou moins. Jeannette, je peux parler, bien sûr. Envie de parler? Super, Jeannette. Information sur la dégressivité des allocations de chômage? Super, Jeannette. Information sur la législation? Super, Jeannette. Besoin de papier toilette? Super, Jeannette. Besoin d'une formation à l'Arte? Super, Jeannette. Une idée de formation? Super, Jeannette. Adapter une formation, trouver une formation adaptée? Super, Jeannette. Pour ça, c'est surtout moi. Quand même. Besoin pour des offres d'emploi? Vous n'hésitez pas. Peut-être préparation à l'entretien? Tout ira bien. Réaliser un CV? Une lettre de motivation? Super, Jeannette? Non. CV, lettre de motivation, séance collective dans quelques instants.
petit bar, t'as déjà fait un CV, toi? CV? Moi, je connais CTNV. Ça va vite, cette activité collective pour toi. Voilà, comme annoncé lors de l'accueil, nous allons donc vous équiper au mieux afin de pouvoir mener votre recherche d'emploi. Exploiter tout votre savoir-faire et vos capacités. Pour cela, nous allons vous outiller. Et j'ai donc pris ma boîte à outils, puisque nous allons parler ensemble, notamment, du bilan de compétences. Essayez de relever tout votre savoir-faire et votre savoir. Nous allons ensuite élaborer avec vous votre projet professionnel. Nous parlerons bien sûr des offres d'emploi et nous allons aborder, et c'est bien le thème d'aujourd'hui, le CV et la lettre de motivation. Alors voilà, vous faites bien attention dans le CV, il y a beaucoup de choses qui circulent, n'est-ce pas, sur Internet qui sont tout à fait erronées. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre une photo, vous n'êtes pas obligé de mettre votre date de naissance, il y a des informations qu'on met habituellement et qui ne sont pas nécessairement nécessaires non plus, telles que le loisir, sauf si bien sûr ça a un rapport avec le métier que vous voulez exercer. Tu te rends compte, Mars? À 16 ans, j'étais déjà à l'usine. J'ai aucun diplôme. Comment veux-tu que je fasse un CV? Écoute, si j'ai bien compris, hein, il faut commencer par allumer le PS. Le PC. Jeannette, oui. Tu penses que je peux reprendre une formation? Mais bien sûr, pourquoi pas. Quelle formation? J'aimerais bien être prof, mais ça me paraît impossible. Ça fait si longtemps que j'ai quitté l'école. Oh, bah alors, qu'est-ce que je devrais dire? Bah, avant d'abandonner, il faut essayer. Mais ça, c'est pour toi qui as conseillé le forum qu'il faut regarder ça. Si tu veux, on ira le voir ensemble tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Dis, est-ce que tu t'y connais un petit peu en ordinateur? Parce que je pense que Bart, j'ai besoin de tes coups de main. Parle-moi bien, gars. Dis, tu te souviens quand t'es arrivé à l'usine? Je t'ai appris là comment ça fonctionnait la machine. Je ne peux pas m'expliquer comment fonctionne cette machine, on comprend bien. On va commencer par l'allumer, Bart. Mais j'ai déjà allumé, j'ai poussé sur le gros bouton qu'il est là. Ça, c'est le bouton de l'écran. Diamant dans les têtes. Ah, Jeannette, j'arrive pas à me faire l'idée. Bah, tu comprends, cette usine, c'était mon usine. Bah oui, je comprends. Mais non, c'est pas pareil. Moi, je suis rentré, je n'étais qu'un gosse. J'ai tout donné à cette usine. Il n'y a aucun patron qui est resté aussi longtemps que moi. De toute façon, il n'y a pas d'avance. Il faut que tu sortes la tête de l'eau. L'usine, c'est fini. On n'a pas le choix. Oui, mais non. Chez moi, je tourne. Non, chez moi, je tourne en rond. Tu comprends, c'est pour ça que je viens ici. Mais ne me demande pas de chercher du travail. Chercher du travail. Il y a une offre d'emploi pour 100 demandeurs d'emploi. Alors? Oui, mais tu comprends, je la connais tellement, cette entreprise, que j'aurais pu la diriger moi-même et payer honnêtement tous les salariés. La reprise, ça aurait été bien. Mais souviens-toi de la dispute avec la direction et avec les actionnaires. On n'en avait plus la force. Et sans le soutien des pouvoirs publics, on ne sait pas faire quelque chose. Ah, ils nous ont bien eu sur ce coup-là, les pouvoirs publics. Dis, qu'est-ce que tu fais ton temps libre? Mais mon temps libre? Mon temps libre, jamais. Mais quel temps libre? Tu verras l'état de mon potager? J'ai tout donné à cette usine. Je suis en train de me poser la question si tu ne serais pas dans les conditions pour être dispensé de la recherche d'emploi. Dispensé, je cherche d'emploi? Non, ne m'embrasse pas trop vite. Oh. Je vais d'abord postuler ton passé professionnel et puis, dès que j'ai l'information correcte, je reviens vers toi. Armand, viens, on va visiter les sites d'emploi. Ah, on allait faire le tour du zoning industriel? Bah, c'est pas la porte à côté, hein. Mon temps, regardez ça dans le journal. Les sites d'emploi, ça se passe sur Internet maintenant. Et si on veut postuler, on envoie sa candidature par e-mail. Par e-mail? E-mail, courrier électronique si tu préfères. Courrier électronique?
Mais c'est dangereux, ça. On va peut-être s'électrocuter en lisant l'enveloppe. C'est vrai, ça. Moi, j'ai peur d'un truc, hein. C'est qu'une grosse société comme, par exemple, Montonel, tu vois, Montonel, le professeur Triple, eh ben, à cause du tout numérique, eh ben, ils arrêtent leur édition papier. Alors, on sera dans la merde. Sur les sites d'emploi, on va se créer un profil. Ah, ben non, on va changer pas, parce que mon profil de droite, il est mieux que celui de mon profil de gauche. Mais non. Un profil, c'est comme une lettre de motivation. Tu dois dire ce que tu sais faire, regarde. Tu vois? Et on a rempli toutes ces cases-là? Bon, on va commencer par juste regarder les offres, d'accord? Là. Sociologue de l'imaginaire et spécialiste du survivalisme. Archéozoologiste. Et vous avez vu? Sirène professionnelle! Nettoyeur de scènes de crime. Ça, c'est pour monsieur le directeur. Ah, ben non, ça, c'est pour le forum. Hein? Aider les ouvriers après le carrelage. Ah, regardez, ici, on a une. Opérateur spécialisé en hydraulique, pneumatique et entretien des machines. C'est bien, ça? Bah, toutes ces conditions. Oh, on n'est pas trop, hein? Ouais, grande promotion sur le travailleur sans emploi, trois pour le prix d'une seule. Non, c'est... Moi, je préfère la sirène. Je ferai le costume. Toi, Bianca, tu nous feras, composeras une belle petite chanson. Et toi, Bart, tu seras belle en sirène? Moi, c'est ça, les parents. Sirène. T'as vu que toutes les annonces, c'est de l'intérim, hein? On n'est pas sorti de l'auberge. Ah, auberge. On n'irait pas manger une bonne frite? Ah ouais, avec une bonne frigadelle. Oh, ouais. Oh, tu viens avec nous? Allez-y, sans moi. Oh. Oh, vous allez manger? Ouais. Je peux venir avec? Ouais. Je viens au cas. Jarrette m'a dit que tu voulais me voir. Oui. J'ai plus envie de travailler à l'usine. Tu sais, il y a tout qui ferme, c'est déprimant. Mais t'as raison, il y a l'usine. Tu pourrais peut-être envisager une formation. Justement, avant de rentrer à l'usine, j'avais commencé une formation pour être prof. Mais mes parents, ils n'avaient pas beaucoup les moyens. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Mais regarde où j'en suis maintenant. Chômage. Oui, mais écoute, pour les formations, il faut qu'on en parle aussi au comité d'accompagnement, pour voir au niveau financier si c'est possible. Mais tu voulais être prof de quoi? Prof d'espagnol? C'est ma langue maternelle. D'accord. Écoute, ce que tu as envisagé aussi, que les formations c'était long, des longues périodes, et puis parfois il faut attendre longtemps avant de rentrer aussi. Bah, enfin, si c'est pas possible, tant pis. J'ai pas d'autre idée. Non, écoute, avoir des idées, c'est bien. Puis nous, on est ici, on va vérifier si c'est faisable ou pas. Première chose, c'est évaluer ton niveau. Je vais appeler une collègue pour voir si tu peux passer un test, ok? Allô, Patricia? Oui, j'ai une candidate ici pour passer un test linguistique. Alors, vous avez trouvé des offres d'emploi intéressantes? Intéressantes, si on peut dire, oui. Hein, bon. Mais attention, avant de vous jeter à l'eau, il y a des choses que vous devez vous préparer. Par exemple, les questions pièges à l'entretien d'embauche. Ou aussi, maintenant, beaucoup ont fait passer des tests psychotechniques. Il faut vous préparer à tout ça. Ah oui, t'entends ça, Bart? T'as vu la sirène? Avant de se jeter à l'eau, elle doit passer son brevet de 50 mètres. C'est quoi cette histoire de sirène? Ah, c'est Armand, il est con avec ça. Il veut que je fasse la sirène à Walibi. Walibi? Mm. Ah ben, vous risquez de faire du beau monde là-bas. D'ailleurs, j'ai quelques messages à leur faire passer, moi. Alors, la réforme des pensions, la chasse aux allocations des chômeurs, la chasse aux migrants, j'en ai ras de bien, 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 bien. Prochaine séance s'intitule « Démystification des tests psychotechniques ». De plus en plus, à l'heure actuelle, on va faire passer aux candidats des tests
psychotechnique. Et ce passage, presque obligé, va entraîner un certain stress chez le candidat et va l'empêcher donc de développer tout son potentiel et toutes ses capacités. Alors, on va s'exercer un peu. Nous allons prendre un exemple. Monsieur, vous êtes en voyage en Flandre et donc vous conduisez un autobus. Attention, l'exercice se fait sans calculette. Vous démarrez de Kortrijk pour vous rendre à Antwerp. À Kortrijk, 17 personnes montent dans le bus. Je vais lentement pour que chacun puisse bien réfléchir. À Waregem, 3 personnes descendent et 7 autres embarquent. À Ghent, 10 personnes montent dans le bus et 5 descendent. Vous arrivez à Saint-Nicolas, 3 personnes embarquent et 7 débarquent. Vous arrivez enfin à Antwerp. Alors ma question, quel est le nom du chauffeur de bus? Vous ne voyez pas? Ah, c'est pas grave. C'est vous. Parce que j'ai dit dans mon énoncé que vous étiez chauffeur du bus pour vous rendre de Kortrijk à Antwerp. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes tout à fait dans la moyenne. C'est quand même vache. Oui, bon, je reconnais effectivement, mais c'est parfois un peu tiré par les cheveux, mais tu sais, tous nos candidats, eh bien, ils sont dans la moyenne. Je suis sûr que d'ici la fin de la cellule, 2 sur 3 auront retrouvé de l'emploi. Oui, mais je te rappelle qu'il y a encore une dizaine de personnes qui n'ont pas vu. Oui, mais j'ai regardé la liste, effectivement, mais je voulais juste savoir, ils sont au courant de leurs obligations? Bien sûr, le week-end dernier, j'étais les voir, effectivement, j'ai parlé des obligations. Ils ont toutes des informations. Et il y a notamment, c'est Georges qui m'invite énormément. Ah bon? C'est quoi son profil? Bah, Georges, il était dans les bureaux, c'est lui qui faisait les fiches de salaire. Et quand il y a eu la fermeture, tout le monde a cru qu'il avait des informations. Alors qu'il était gardien comme nous, il n'a aucune information. Il est aussi terriblement. Oui, mais écoute, je vais l'appeler. Et je vais prendre un rendez-vous individuel avec lui, je pense que ça pourra lui faire du bien. Alors, il y a Thérèse, qui est assise de la pension, mais malheureusement, elle doit s'occuper de son papa qui est gravement malade. Marie, elle est enceinte jusqu'aux yeux, et à ce jour, on n'a toujours pas trouvé de crèche. D'accord. Dis, il y avait aussi un certain, c'était qui, Bernard, qui était indépendant complémentaire. Oui, il est indépendant complémentaire dans le mécanique agricole, mais il n'a pas encore assez de travail pour réellement en vivre. Mais écoute, tu pourrais aussi le contacter, parce que pour le faire venir à la cellule, on va pouvoir le mettre en contact avec des organismes qui vont peut-être pouvoir l'aider. Ok, ben, je vois Armand tantôt, qui le voit ce soir. Je lui ai demandé qu'il lui en touche un pour qu'il prenne contact avec nous. Ok. Oh, oh là là, Eddy, l'heure avance et il va être l'heure du bus. On en reparle demain. Exactement. Super. Il nous a envoyé ça. Enfin, c'est impeccable, hein. Maintenant, il a le temps de s'occuper de son potager. Ah ben oui. Mais écoute, ça tombe bien en plus, parce que justement, aujourd'hui, nous avons reçu une lettre de Bianca. Bianca, oh. Écoute ce qu'elle nous dit. Cher Pierre-Yves, chère Jeannette, je veux vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour moi. Grâce à vous, grâce à la cellule, j'ai repris le chemin des études. Lundi prochain, je débute mon premier stage. Je vais vraiment commencer à enseigner. Avec toute mon amitié, Bianca. C'est formidable, hein? Impeccable. Ah ouais, ça fait vraiment chaud que... Bonjour. J'étais sur un chantier dans la rue de la côté et je me suis dit, tiens, je vais aller voir les... Bon, on va me dire de la cellule. Hein. Merci. Je vais vous donner une petite praline. Ah. Parce que ça, je ne sais pas vous envoyer par email. Hein. C'est gentil. C'est gentil. Écoute,
Je travaille à côté, il n'y a pas de souci, la porte est toujours bien, toujours grande pour que tu puisses venir. Écoute, c'est vrai, ce qu'on dit sur la cellule, hein, hein. Oui. Ah ben oui, quand on arrive dans la cellule, on pleure deux fois. Une fois quand c'est ce qu'on arrive, et une fois quand c'est ce qu'on part. Ah. Enfin, merci. Hein. À bientôt, salut, que ça nous passe bien. Au revoir. Hein. Au revoir, Marc, merci. Elles sont super bonnes. Dis, en parlant de pleurer deux fois, on entend encore combien de personnes demain. Demain, il y avait les 22 personnes des ateliers Bristol. On en a 8 qui viennent de Netoitou. Ouais. Et quelques-uns, là, je ne sais plus précisément, de l'entreprise Chemillard, là, qui habite la région. Mais ne t'inquiète pas. Tout est prêt. Tous les dossiers sont prêts, il n'y a pas de problème. Ok, ça va alors. Bon, écoute, j'y vais. Ouais, je te laisserai le prendre. Oui, c'est gentil. Voilà, écoute, on ferme. On ferme. Ces mots-là, plus jamais. Or, comment?